Bonjour les Oui, filles, j'espère que vous bonjour, allez bien. bonjour, bonjour. C'est Zara qui parle. Alors, aujourd'hui, on va vous partager un petit pain avec de la farine de sarrasin. Voilà, pour faire des petites tartines de pain. Donc là, il faut du sel, de la farine de sarrasin, un petit peu de levure boulangère, un petit peu de lait, un petit peu d'huile et de l'eau. Et voilà, on va commencer la recette. Alors, j'ai mis ma farine de sarrasin dans le bol du pétrin. On va venir ajouter une bonne cuillère à café de levure boulangère. Voilà, une cuillère et demie. On met un tout petit peu de lait. Je l'ai chauffé un petit peu au micro-ondes. On ajoute de l'huile. On va mélanger tout ça et ensuite on ajoute l'eau petit à petit pour pétrir la pâte. Et bien évidemment, on met du sel. Alors du coup, j'ai bien fait pétrir la pâte avec le pétrin. Donc on obtient une pâte un tout petit peu collante, pas beaucoup. On la ramène comme ça en boule. Voilà, on la ramène au milieu du saladier. Et on va la laisser gonfler une bonne heure. Voilà, on met un petit peu Voilà, chaud. J'ai laissé reposer la pâte. Donc on va la prendre, on va la mettre sur la table. On va former une petite boule. Donc vous voyez, c'est pas comme de la farine normale, hein, ça n'a pas du tout la même texture. Allez, on continue. On forme une belle petite boule. Et belle une boule. Ah oui, une belle petite boule comme ça. Oui. Ensuite, on prend notre petit plat. On va venir mettre sur le plat. Hop. On va la former de la forme qu'on veut à peu près. Donc moi je vais la laisser comme ça à peu près en forme de boule. Et ensuite avec un petit ciseau, on va venir former des petites entailles sur le dessus. Voilà. Voilà, après on peut hop. Ça alors, on va mettre au four à 180 degrés pendant environ 30 minutes. On surveille bien la cuisson comme d'habitude. Oh, je viens de le sortir du four. Il est trop beau. Un joli petit pain à la farine de sarrasin. On va couper une petite part. Et voilà, on va couper des petites parts. Et voilà, une petite part. Délicieux. Voilà, petit pain. Vous pouvez vous faire des petites tartines ou manger comme ça. Et là, vous avez un super bon pain. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous!